Hey, c'est tout le monde, c'est Pascalman, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 3, donc la bêta. Un petit gameplay que j'avais fait sur la map Stronghold en Domination. Donc désolé au niveau de la qualité de la vidéo, en fait c'est un gameplay que j'ai dû rec avec le bouton share de la PS4 et que j'ai récupéré ensuite par la suite avec Laber Media. Donc voilà, c'est pas forcément la qualité que je fais enfin, sur mes vidéos, mais voilà, je suis un petit peu désolé là-dessus. Donc je vais vous présenter un petit peu la classe que j'ai. Donc je joue avec la RK7, donc la K47, une de mes armes favorites sur ce Black Ops 3 et sur Call of Duty en général. Dessus j'ai canon long, tir rapide et poignée avant. Alors tir rapide pourquoi? Parce que quand on tombe sur des SMG en face et qu'on est en duel, bah ça aide vraiment. Parce que c'est vrai qu'on fait pas l'enfeu si on ne l'a pas sur une arme sur un fusil d'assaut, sauf si c'est la M8 forcément. Mais sur ces termes-là, je trouvais que c'était quand même plutôt bien. En arme secondaire, j'ai le RK5, donc alias le P23R. Au niveau des killstreaks, j'ai le missile Hellstorm, la colère divine et les Raps. Donc les Raps, pour ceux qui savent pas ce que c'est un peu les chiens de Black Ops 3. Mais en moins de cheat. Je trouve qu'ils sont moins de cheat parce que ils sont carrément plus faciles à tuer. Ils sont plus lents, faut mettre un peu plus de balles, mais ils sont plus lents. Et ils sont beaucoup plus gros, donc voilà, c'est un peu plus facile à buter. J'ai débloqué en tout les 3 killstreaks, je les ai débloqués 2 fois en tout. Donc voilà, j'ai fait une petite série qui est plutôt sympa. Donc au tout début de la première manche, je vais pas mourir une seule fois. Et au niveau du spécialiste que j'utilise, donc il s'appelle le prophète, et donc la capacité c'est le glitch. Donc c'est une capacité qui te permet en fait de se TP à une position précédente. En gros, de revenir à peu près, je crois, 15 secondes en arrière, où on était en fait il y a 15 secondes, je crois. Bref, hein, c'est plutôt assez bien. Je l'aime bien, et il est un peu, il est pas du tout cheat en fait. Enfin, il est pas cheat, enfin, il est pas du tout cheat, il est pas cheat, on va dire. Parce qu'il est quand même assez dur à. Il est un peu dur à utiliser parce qu'il faut vraiment l'activer au bon moment. C'est pas comme l'autre qui vous permet de vous réanimer. Là, je sais plus comment il s'appelle. Celui qui vous permet de vous revive là. Je sais plus. Mais lui, ça se fait automatiquement. En fait, vous avez juste appuyé sur le bouton. Alors que là, il faut vraiment prévoir tout simplement quand vous l'utilisez. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué et je l'aime bien. Voilà, ouais. Au niveau de la. Enfin non, je pense avoir fait un peu le tour de tout ce que je voulais dire sur la game. Donc je vais pas plus m'attarder là-dessus, j'ai pas trop. Je vais plus vous parler du futur de la. Du futur de la chaîne et de ce que je vais faire. Voilà, je compte sur vous pour regarder le gameplay tout en écoutant ma belle voix, n'est-ce pas? Donc on a dépassé les 700 abonnés, donc c'est vraiment nice et je vous enfin je vous remercie vraiment vraiment beaucoup. Qui sait, peut-être les 1000 à la fin de l'année. Au niveau des 1000, bah, c'est sûr qu'il y aura une vidéo spéciale. Mais voilà, c'est vraiment super cool. Je suis vraiment désolé encore une fois de ne pas avoir pu faire de vidéo spéciale 500 abonnés, mais voilà, j'avais mon problème de PC. Je pouvais plus faire de vidéo à ce moment-là, enfin, c'était vraiment la déche pour moi. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup. Au niveau des jeux que j'attends, il y a Black Ops 3 bien entendu, mais il y a Need for Speed à côté. Il y a Need for Speed et je sais pas si j'attends plus Need for Speed que Black Ops 3 en fait finalement. Need for Speed c'est un peu la licence, tu vois, quand j'étais jeune, je kiffais de ouf. Mais bon voilà, il y a Black Ops 3 bien entendu que j'attends et que je vais jouer comme un gros porc. Mais voilà, il y a Need for Speed que j'attends. D'ailleurs, je me suis inscrit à la bêta fermée que EA a proposée. C'est à peu près le même principe que la première bêta à l'époque de l'E3, la première bêta de Battlefield Hardline, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque où le jeu était encore bien, hein, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, donc je me suis inscrit, donc il y aura sûrement des vidéos dessus. Et au niveau des futurs projets, il y a une vidéo qui me trotte depuis bien longtemps, depuis longues années, hein, ça date de avant Jésus-Christ, je sais pas si vous vous rendez compte. Une vidéo qui me trotte, je vous en dirai pas plus, c'est une histoire de la semaine, mais là ça serait carrément différent. C'est plus quelque chose sur moi en fait. Enfin, quelque chose sur moi, vous attendez pas un truc de fou, c'est juste ça va raconter un petit peu mes péripéties tout simplement. Donc c'est une vidéo qui me trotte depuis bien longtemps et que j'ai envie de faire. Donc voilà, ça arrivera. Au niveau de code, j'ai réussi à trouver
des joueurs pour former une team. Donc c'est vraiment nice, ils sont tous motivés. Il y en a deux en particulier qui se frittent bien la gueule, Lucas et Zartix. D'ailleurs, petit bonjour à vous. C'est marrant. On se tape des barres avec V9. Parce qu'ils sont toujours en train de se friter la gueule, mais c'est plutôt drôle. Donc, je pense qu'il y aura des vidéos avec eux sur AW, en Road to League sûrement, et puis sur Black Ops 3 bien entendu. Mais ouais, il y aura des petits délires avec eux, c'est sûr. Donc voilà, une petite team qu'on a formée ensemble, et c'est vraiment nice. De ce côté-là, tout simplement. Au niveau des let's play, alors je vois que Batman ça vous passionne pas tellement, bah, c'est normal, en même temps le jeu il est sorti il y a 3-4 mois maintenant. Tout le monde l'a fait. C'est comme si là en gros là je sortais maintenant un let's play d'Until Dawn, ça m'étonnerait que ça passionne énormément de monde parce que tout le monde l'a déjà fait, le jeu est déjà sorti il y a un mois de ça. Enfin 2-3 semaines je crois. Bref, voilà, c'est à peu près le même. Enfin j'ai pas pu tenir en trop. J'ai pas pu trop tenir la cadence au niveau de Batman. J'avais mon problème de PC. Donc je vois que ça passionne pas énormément de monde. Mais voilà, si vous voulez des let's play ou si vous en voulez pas, vous me le dites dans les commentaires. Si vous en voulez, bien entendu, vous me dites sur quel jeu que je prévois un peu. Donc voilà. Simplement. Au niveau de la vidéo setup, j'attends encore un truc. Et après je vous la balance, c'est sûr. Mais ça risque de prendre encore un peu de temps. Simplement les gars. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur tout ce que je voulais dire. Voilà, donc si vous avez quelques questions ou si vous avez voilà des idées de vidéos, n'hésitez pas à le balancer dans les commentaires. Voilà, au niveau du score final, on est sur un 43-4. J'espère que le gameplay vous aura plu, bien entendu. Donc voilà, donc si c'est le cas, n'oubliez pas eh bien le commentaire. Ah, ça fait toujours plaisir. Et puis ça coûte rien, le like, bien entendu. Et puis voilà, bah, moi tout simplement, je vous dis à la prochaine, les gars. Portez-vous bien. Tchuss.